Bye, 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 bye. Il m'avait pas manqué celui-là. Oui, vas-y, continue à jouer avec Tash. Bon, allez, on va vite partir de là. Parce que on a un troisième. Mais ta gueule! Putain, lui, il commence sur les chapeaux de roue. Ça y est, il m'énerve. Vite, fuyons de ce putain de moulin. Ah, bon alors, vous, comment ça va depuis la dernière fois? On s'en était arrêté donc au second niveau, le niveau du moulin, on avait fait la ferme, et là, eh ben, je sais pas comment est-ce que ça s'intitule pour le moment, pour le prochain niveau. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. Qu'est-ce qu'il fait le jeu? Il m'a mis dans l'eau, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin bref, oui, j'espère que vous êtes prêts, à replonger dans cette nostalgie. Et donc là, on va aller à Field. Field, ça veut pas dire, c'est pas une armure ou une arme plutôt dans... Bon, grand champ. Ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est parti pour le troisième niveau, grand champ. Encore un niveau que j'avais montré lors de mon test il y a fort longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Dark Vador vous passe le bonjour d'ailleurs. Hein. Regardez, voilà, il est là. Voilà, la force est avec lui. D'ailleurs, voilà, il va vous regarder méchamment. Et si jamais vous êtes passage, il risque d'utiliser la force contre vous. Donc, je ferai un petit peu attention. Voilà. En attendant, il va rester sagement ici. Voilà. Bon, je sais, j'exhibe un petit peu mes cadeaux de Noël. Mais en même temps, voilà, c'est passé. Et j'espère que, du coup, vous, de votre côté, vous aurez eu des beaux cadeaux, que vous aurez été tout gâtés, tout plein. Allez, écoutez. La tranquillité. Ah là 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 là. J'ai pas envie de parler là. Cette musique. C'est reposant. J'ai l'impression qu'on n'a pas grand chose à faire dans ce niveau, dis donc. Bah en même temps c'est vrai que si je me mets pas en mode odorat, je verrai pas toutes les odeurs. Bon. Alors, à part sniffer le cul des moutons, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire d'autre? Donc déjà récupérer les odeurs. Bon, on va voir est-ce qu'elles vont nous mener. Tiens, oh là là, hop, un petit fermier là, parlez. Alors, brave chien, Venos, ma chaîne refuse de rassembler le troupeau. Ben Dieu. Pour la mettre au travail. Ouais. Et c'est tout? Ah oui, non, oui, enfin je crois qu'il veut que je leur mette ses... Il paraît que les chiens de berger sont têtus. Il faut que je leur mette ses moutons dans l'enclos, je crois. Donc il faut que j'aille leur japper après. Oui, donc bah, pour le moment, ça va. Je sais qu'il y a une montgolfière. Je l'ai vue tout à l'heure. Bah d'ailleurs, elle est là en face. Hein. Là. Et tout à l'heure, elle était pas... Attends. Elle n'était pas ici, à terre. Est-ce que je peux monter dedans, c'est ça? Je sais même pas si je peux pas, si je pourrais pas monter dedans. Enfin, bref. Je sais que si on va là-bas, il y a des corbeaux qui vont nous chier dessus. Donc ça, c'est génial. Bon, bah là, je vois qu'il y a un petit nonos ici. On va pas se priver, on va le récupérer direct. Oh, délicieux. Bah oui, évidemment. Ici, il y en a un autre. On va... Attends, mais... Ah, mais il est là! J'ai cru qu'il fallait creuser, donc moi j'étais en train de bourriner le rond. Forcément, il savait pas trop quoi faire. Le laisser ou le récupérer, il savait pas trop. Bon, et bah... Deux petits nonos en deux secondes. Je sais qu'il y a des choses à faire par ici. Alors déjà, ouais, le... Si j'en trouve 8, je pourrais participer au jeu des trous. Le jeu des trous, voilà. Le jeu des trous avec Jake et peut-être le chien de berger du coup. Eh ben, pourquoi on le ferait pas tout de suite? Tiens, pour nous mettre en jambes. Allez, c'est parti. Je suis le roi des eaux. Ça va être du gâteau. Chaque chien doit suivre un parcours et creuser un certain nombre de trous pour gagner des points. Le gagnant est celui qui termine le premier. Bon, on va bourriner le rond et puis c'est parti. Attention. Avec la musique géniale. Allez, creuse. Non mais ça, quand même, c'est vraiment, je dirais peut-être le jeu le plus facile. C'est tout droit et t'as juste à bourriner le rond. Sachant que en général, un humain va bourriner beaucoup plus vite que ce qui a été programmé pour le
l'IA, pour le computer. Donc bon, je sais pas trop où est le challenge. Après bon, c'est vrai que là on est au début du jeu, ce sera peut-être un peu plus difficile, un petit peu plus tendu sur la fin. Mais bon, je pense à rien de bien phénoménal. Parce que voilà, j'ai gagné un troisième nonos déjà. C'est parti. La vidéo a pas commencé depuis 10 minutes super, qu'on a déjà un nonos. Ah non, on incarne le chien. Et donc lui... Ah oui. Non, ça y est, j'ai capté. Lui, c'est le chien de berger. Donc c'est avec lui qu'on va devoir mettre les moutons dans l'enclos. Ils sont où les moutons? Ben... Venez, je suis là. Allez, vas-y, dans l'enclos. Parce que je crois que si c'est Jake qui le fait, alors c'est possible, mais ça sert à rien. Alors ce serait con qu'ils ressortent dans l'enclos. Je crois pas que ce soit possible. Alors essayez d'en mettre 3 d'un coup. Ah non, 2 c'est déjà pas mal. Voilà, très bien. Putain, mais il y en a pas mal, dis donc. C'est pour ça qu'ils nous ont donné autant de temps pour le faire. Hé, hey, mouton, gambade, dépêche-toi. Mais où il va? Allez. Non, pas par là. Ici, voilà, très bien. Toi, et si je jappe pas? Oh, il s'en fout. Oh, mais je vais japper, ça fait plus stylé. Ah, il est beau, hein. Franchement, c'est peut-être l'un des plus beaux chiens qu'on va être amené à manipuler dans tout le jeu. Sincèrement. Ça a vraiment de la gueule. Et ben voilà, content. Bravo, mission accomplie. Oh, moi j'ai jamais vu se donner autant de mal, elle est transcendée. Mais t'es pas obligé de gueuler à chaque fois que tu parles. Merci. Et là, ils vont ressortir, je crois. Le manque d'idées des développeurs. Putain, il nous manque un os. Oh, on va les faire ressortir au pire. On s'en fout. Ah putain. Pour rendre le truc encore plus chiant. Reviens là, mon petit chien de berger. On y retourne. Allez. Mais non. Mais non. Allez, go. Mais putain, qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait quoi? Il fait quoi? Lève-toi. Mais lève-toi. Mais dépêche. Voilà. Si les 5 secondes qu'on vient de perdre, c'est les 5 secondes qui vont nous manquer. Mais alors là, je pète le câble de la manette. Et oui, parce qu'à cette époque, il y avait encore un câble à la manette. Chose que je ne peux plus dire maintenant. Ah putain, allez, dépêche-toi. Mais regarde, mais où tu vas? Va pas dans la niche, va dans l'enclos, tu rentres pas dans la niche. Oh là 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 là. Allez. Bon, on va essayer d'en mettre 2 à la fois. La caméra qui se bloque contre un arbre. Allez, on va y arriver. C'est vrai que la manipulation de la caméra, c'est wouh. En plus, c'est inversé. Je devrais pas les inverser. Ça me perturbe. Avant, j'aimais bien jouer en inversé. Maintenant, je peux plus. Du coup, ça me perturbe un peu. Voilà. Alors, il y en a un ici. Il y en a un peu plus que tout à l'heure, j'ai l'impression. Hein. Là, tout à l'heure, il y en avait quelques-uns dans l'enclos. Quelques-uns qui étaient gentils. Mais là, ils sont tous rebellés, là. Ils sont tous rebellés. Bon, faut que je choisisse, là, en fait. Parce que si j'essaye de tout mettre d'un coup, ça va pas le faire. Voilà, ça, c'est bon. Alors, toi, tu y es. Allez, va pas par là, va derrière. Allez, on y va. Dépêche-toi. Voilà, allez. C'est bien. Non, toi, pars pas trop loin. Reviens là. Très bien. Bon, ça va, ils sont disciplinés. Au moins, après, ils restent dans l'enclos. C'est nickel. Voilà. C'est bon, c'est fini. Cette fois, ils vont pas ressortir une troisième fois. Ah non, mais attends. J'ai rien dit. Je m'incline. D'accord, bon, c'était pas une fainéantise des développeurs, c'était juste pour nous faire réessayer. Et voir qu'en fait, on n'allait pas avoir de récompense après. J'ai fait ça pour rien. Bon, tant pis, au moins, ce sera bien amusé. Allez. Bon, il doit bien y avoir des petites odeurs ici, à moins que je les ai déjà récupérées. Peut-être des odeurs dans l'enclos. Non, tu veux pas aller dans l'enclos. Il faut que je passe par là-bas. Du miam-miam, je commence à avoir faim. Voilà. Ah, bah voilà, là il y a des petites odeurs. Et oui, parce que les moutons ça pète, hein. D'ailleurs, oh oui, ça fait tellement de méthane que du coup ça nique la couche d'ozone. Tu te rends compte?
Mais je crois qu'il faut que j'attende qu'elle se pose, cette montgolfière, je crois, non? Il doit y avoir un truc dedans. Enfin, je suis pas sûr, franchement. Et ça pue la mouise ici, hein. Bon, là, je vois qu'il y a ça. Oui, oui, parce que je dois certainement faire un autre truc avec le chien. Ouais, on va observer un petit peu la montgolfière Pedigree. La vraie Pedigree, hein. Ouais, réellement sponsorisée par Pedigree. Allez, je veux choper. Mais putain, bloqué par un rocher, tu peux pas l'enjamber. Oh punaise, obligé de faire tout le tour. Voilà. Et dégage le mouton. Ah, je crois qu'il y a un truc avec l'épouvantail là. Hein. Attends, si c'est un épouvantail. Délicieux. Ah non. Non, l'épouvantail, il est là-bas. Allez, qu'est-ce que tu me veux, toi? T'énerve pas. J'essaie de réparer l'épouvantail, les oiseaux m'attaquent. Mais je suis tenace. S'ils veulent la guerre, soldats, ils l'auront. Je vais le débarrasser de ces oiseaux avant qu'il fasse une crise cardiaque. D'accord. Voilà, voilà. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Oui, oui. En fait, ah oui, il lui chie dessus et en fait, il faut japper pour que les corbeaux s'en aillent et que... Non, mais t'y étais presque. Mais... Il est déçu. Il s'est trop fait chier dessus, il est déçu. En fait, il fallait japper. Ils ont peut-être gagné une bataille, soldat, mais la guerre n'est pas finie. D'accord, ok, on y retourne. Les oiseaux bombardiers l'emporter, pas vrai? Chaque fois que j'essaie de réparer l'épouvantail. On sait. En fait, il faut que voilà que j'aille l'aider à réparer l'épouvantail. Et pour ça, il faut que je vire les corbeaux. Mais j'étais autour de lui, j'ai jappé et tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? On va rester à côté et on va japper. Je vois pas quoi faire d'autre, hein. C'est mon maître. Miam 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 miaou. Voilà, c'est bon. Il est beau ton éventail. Très bien. Ouais, enfin, je retire un peu ce que j'ai dit là. C'est bon, t'as fini de le contempler, t'es content, tu l'as eu? Victoire! Le règne des oiseaux est fini! Ouais, enfin... J'aurais jamais réussi sans toi, soldat. T'es un excellent chasseur d'oiseaux. Mais oui. Oh là là, ce type est grave. Bon petit soldat, t'as ma récompense, je te décerne l'ordre de l'os blanc. Merci. Un nonos, c'est tout ce que j'aime. Ah, délicieux. Les os qui sont vivants, comme d'habitude. Voilà. On va regarder un petit peu le résumé de ce niveau-là. Donc, on a déjà rencontré deux personnes. On a quatre os. Il nous faut encore des odeurs. Il nous manque encore des os. Ok, donc on n'a pas terminé. Hein. Je pense que ce niveau sera plus rapide que les autres. Hein. Ça sent la litière. Oula. Ah oui, ça me rappelle un passé que j'ai connu. Oula. Ah non, ce qu'on entend, c'est les corbeaux qui me chient dessus. Parce que des fois, il y a Jake qui a envie de péter. Enfin, envie de chier, et du coup, il pète. Ça, on l'avait vu un la dernière fois. De pipi. Marquons les coins pour gagner. Ah oui, pipi. Mais je crois qu'on a juste appuyé sur rond. 3, 2, 1. Partez. C'est ça, il y a juste appuyé sur rond. Ah oui, pipi. Voilà. Ah oui, alors là, il faut qu'on soit stratégique. Hein. Donc, on va faire des carrés. Mais les petits carrés, voilà. Vu qu'ils s'éloignent, c'est très bien. Vas-y, éloigne-toi, il n'y a pas de problème. Voilà, on a un carré. Enfin, plutôt un rectangle, hein, parce que... Hé, le mouton, t'as pas le droit de jouer, dégage. Allez, on continue. Lui, il fait pas de carré. Regardez l'intelligence de l'IA. Génial. Du coup, on va lui reprendre ses pipis. Voilà. Et puis on va se faire un petit rectangle d'ici. Voilà. Et c'est fini. Ah ouais, là, il manque un petit peu d'intelligence artificielle, là, quand même. Et un petit nonos. Voilà, voilà. Pendant qu'on peut récupérer des... Ça va nettoyer mes sinus. Des odeurs violettes, on va le faire. On ira récupérer l'os après. Celle-là, fallait la voir. Elle était carrément encastrée dans le rocher. Il n'y en a pas qui... Ah, mais laisse-moi passer, pitié. Il n'y en a pas qui se cacheraient ici, des odeurs, par hasard. Il n'y aurait pas un petit toutou... Même pas ici. Il n'y aurait pas un toutou qui serait venu poser sa grosse merdasse ici. Ah, bah voilà, là, par exemple, ouais. Ici. Est-ce que je l'ai eu? Attends, je sais même pas si je l'ai eu.
Non, je l'ai pas eu. Oh, j'en ai plein le nez. Voilà. Oh, il y a une bleue. Il y a une... Oh. 12 bleus et j'aurai un os. Ah d'accord. J'en ai bien besoin. Ah, je me souvenais plus de cela. Chaque fois que tu récupères une odeur bleue, une autre apparaît. Récupère-les toutes dans le temps imparti. Tu disposes d'un petit délai supplémentaire à chaque odeur récupérée. Attrapez-les toutes. Attends, faut aller dans quel sens là? Ah oui, là. Ah oui, putain, c'est vrai, c'est entre les... Oh putain, c'est bordel. Putain, j'adore la musique, sérieux. Ah, je suis passé. Oh putain. Oh là, c'est horrible. Voilà. T'as l'impression d'être un camion Ben, quoi. Merde. Ils sont où les autres? Ah là, 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 là. Et d'où la dernière, de l'autre côté, je parie. Ouais. Bon, c'est bon. Ouh. Eh, j'avais déjà un os là-dedans, hein. Il n'y en a pas deux? Il me semblait que j'avais déjà un os, hein, dans la gamelle. Eh, ah, putois. Un autre putois. Voilà. Je peux pas te choper. Ah si, je l'ai chopé. Oh putain. Oh. 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 Ça pue. Oula. Non, attendez, je suis en train de stresser là, parce que si le jeu a bugué et qu'on a un os en moins, ça va pas le faire, ça. Y a pas mieux. Ah, mais j'ai pas rêvé, j'avais bien un autre os à récupérer. Ah d'accord, c'est juste qu'on le voyait pas. Ah, quand même. Ouais, j'ai failli stresser quand même. Voilà. Alors, on en est où? Eh ben, il n'en reste plus que un ou deux os. Deux, ouais. Et bah déjà, il y a un os, c'est les violets. Et par contre, le dernier... Alors moi, le dernier, j'aurais peur que ce soit dans la montgolfière. Dans ce cas-là, il faudra attendre. Le chien, donc apparemment, lui, il a plus d'odeur orange. Donc ça veut dire qu'on a plus de d'os à récupérer avec lui. Les odeurs violettes... Ah oui, attends. Ah, attends, mais je crois qu'en fait, il faut simplement creuser là-bas. Ah, oh, bah ça va, c'est facile. C'est facile. Bon bah c'est bon hein. Bah ça aurait été rapide dis donc hein. Mais bon, même si ça a été rapide, je vais quand même faire qu'une seule vidéo pour enfin qu'un seul niveau pour cette vidéo pour que je puisse garder mes titres de vidéo. Je mets le titre qui correspond au niveau que je fais. J'ai envie de chier. Allez. Ah non, c'est pas moi qui ai envie de chier, c'est les corbeaux qui me chient dessus. Putain, je me confonds toujours. Mais attends, comment on fait déjà pour chier? Ah, voilà, ça me semblait. Je faisais la bonne combinaison, mais quand t'es en mode odorat, ça marche pas. Je pensais qu'il enlèverait le mode odorat automatiquement pour te le laisser faire. Alors, je sais qu'il y a un autre niveau là-bas au bout. Ça, du coup, ce sera dans une autre vidéo. Donc en fait il nous manque plus que 4 odeurs et je pense que ça va être les plus difficiles à trouver, à moins qu'elles soient par là. Ah, une ici. Quel parfum. Une autre là. Et ouais, quand c'est grand comme ça c'est compliqué. Et là il nous en manque une. Aïe aïe aïe. Ah elle est là. Bon ça va. Ça va, c'est grand, mais on arrive quand même à tout trouver. Parce que la distance d'affichage, elle est pas géniale hein, pour les odeurs. Du coup, c'est assez complexe. Et bah voilà. Ostastique. Je crois qu'on peut dire bah, que le qu'on a terminé le niveau. Voilà, rien de bien compliqué dans celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 os. 2 photos, toutes les odeurs. Mission accomplie, j'ai envie de dire. Dégage, toi, dégage. Ouais, mission accomplie. Je crois qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire dans ce niveau. Bah écoutez, hein, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est... Ah bah les putois. Putain, j'arrive même pas à le choper. Mais viens là. Mais viens... Mais... Il m'énerve, celui-là, voilà. Oh putain. Oh, je galère, là. Attends, on va essayer de... On va essayer d'enfumer le fermier. Tiens! Il en a rien à foutre. Oh oui! Attends, faut que je me refamiliarise avec les combos là. Si jamais je veux m'asseoir, et si jamais je veux faire le beau, c'est comme ça. Ouais. Ah, et en plus, il me donne à manger. Yeah! Et si je veux me mettre debout, je crois que c'est comme ça. Ouais!
Oh, il me caresse le bidon. Ah, vas-y, recommence, je reveux une caresse du bidon. Oh oui, trop mignon. Bon, on va arrêter de faire les chiens-chiens à sa mémère. Et on va aller se mettre devant le prochain niveau. Celui qui nous attendra pour la prochaine vidéo. J'ai envie de contempler un petit peu Pédigré, là. La montgolfière Pédigré, bien, bien floue. Ah, regardez, là, elle est bien. Elle est bien. Pédigré. Non, non, je fais pas du tout de placement de produit. Hein. D'ailleurs, est-ce que ça existe encore Pédigré aujourd'hui? Oui, oui, quand même. Hop, stop, 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 Jake. On s'arrête ici. Moi, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ce fut une vidéo courte, je le sais. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le jeu. Peut-être que certains niveaux seront beaucoup plus longs pendant beaucoup plus de temps. J'en ai quelques souvenirs, quelques vagues souvenirs en tête. Notamment un niveau peut-être dans la neige, mais je vais éviter de trop vous spoiler si vous ne connaissez pas. D'ailleurs, ça me fait penser que ce niveau dans la neige, je l'avais fait... un moment où j'allais aller en vacances de ski, enfin où j'allais aller à la montagne faire de la luge, mais j'étais vraiment tout petit. Et ça renforçait encore plus l'immersion dans le jeu et les souvenirs que j'en ai. C'est fabuleux. Je pense que quand je vais m'y retrouver une nouvelle fois dans ce niveau de la neige, ça va être une putain de bouffée de nostalgie pour moi. Allez, je vous le redis, retournez bien à vos occupations. Et ciao à tous.